La domination de Xilei Zhang sur Zhou Joyce n'est désormais plus à démontrer. Après avoir déjà infligé un TKO à l'anglais en avril dernier, le boxeur poids lourd a cette fois balayé son adversaire, âgé de 38 ans. Dès la troisième reprise, Zhang a infligé un KO impressionnant grâce à une droite surpuissante qui a envoyé Joyce au tapis, le Britannique mettant plusieurs secondes à retrouver ses esprits. Comme je l'avais dit avant le combat, celui-ci allait se terminer plutôt que le premier, a savouré le Chinois. J'espère que tout le monde a apprécié ma performance. Grâce à cette victoire express, le boxeur de 2 mètres renforce sa position de challenger officiel pour la ceinture WBO des poids lourds. Celle-ci est détenue par l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui détient également les ceintures WBA et IBF. Mais ce dernier sera-t-il le prochain défi du surpuissant chinois? Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC et qui prépare actuellement son combat événement face à Francis Ngannou le 28 octobre en Arabie Saoudite, semble être la prochaine cible de Zhang. Ce dernier a demandé à la Wembley Arena si le public souhaitait le voir faire taire Tyson. Un choc qui ne manquerait pas de punch.